Au nom du Père, qui, papa qui sont guéris, qui non, du Fils, dit, papa, dis-nous, on a gagné, et du Saint-Esprit, dit, cette divinité, Tata, Kimbangu, Pontima, Kengani. Mes chers amis, qui me supportez dans ce déjeuner, le petit déjeuner, car il est exactement à Paris, 6h27. Ici, nous sommes en face de votre instrument de travail. Ici, c'est Diakongo Ngomazaï Diamandombe, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Évidemment, venant de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Madjoumou donc, Madjoumou, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. L'ordre venant de Nkamba, évidemment, la Nouvelle-Jérusalem, parce qu'il avait été clair. En nom de Dieu, avant sa transfiguration, il dira d'abord que la coalition internationale me doit, donc la Belgique, la magie de Bâle, et il avait aussi précisé aussi que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh bien, tout le monde, toutes les nations viendront recevoir la loi auprès de moi, qui sont lequelé, Dieu le Père, Ntimo Bantimo. Parce que nous sommes dans le cadre des 3P2SP. Dans le cadre des 3P2SP, donc ce qu'on appelle généralement le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, on n'a pas qu'on nous y pélégué, ça c'est la science. Le spirituel, c'est les GSK. Et bien, le discours politique, l'action politique, c'est notre communication envers vous. Et bien, mes amis, pour ce matin du 28 août, vous savez, le mois d'août, je vous ai toujours dit que c'est un mois spécial. C'est le mois de la remise et reprise. Hein? Le mois du témoin relayeur, le témoin relayeur, n'est-ce pas? Le Christ qui part, qui laisse le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est ça. C'était en août 2001, où Papa, le Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement de toutes choses, donc ce qui s'accomplit en acceptant le pardon de notre premier Kakamouki, autrement dit Adam, eh bien, une fois cela terminé, entre autres péripéties, en disant que votre devoir, c'est de bâtir Nkamba. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, dans cette procédure qui consiste à bâtir cette ville, celle de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est le musée, notre ancestralité. Notre musée, c'est l'ancestralité Congo, l'ancestralité africaine, c'est l'ancestralité mondiale. C'est là-bas où seront mis toute l'ancestralité humaine en tant que celle. Donc c'est la priorité parce que actuellement, papa, le 22 mars, la divinité avait dit que spirituellement c'est disponible. Et là, nous devons la finaliser matériellement. Et là donc, je veux lancer un appel. Vous savez qu'en sortir de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, cette divinité a fait une recommandation. Vous, les Européens, donc nous autres là, qui sommes en Occident, nous avons le devoir de rapatrier ces affaires, hein, qui consistent à bâtir, qui est le contributeur dans l'action de construire Nkamba, le musée, et on devait rapatrier ces choses au Portugal. Vous savez ce que c'est que le Portugal? Vous savez ce que le Portugal a fait dans mon royaume, en tout est là. Ce sont eux qui sont venus en premier. Hein, quand nos aïeux nous ont qualifié de Mundele. Vous savez, le terme Congo, nos aïeux, moi je me souviens, j'étais à un moment donné dans mes pèlerinations occidentales, en France particulièrement, j'étais habité avec un frère qui m'a mis chez lui, un frère tokoïste, de Simon Toko. Papa, Moutamout, j'ai oublié de citer son nom, il s'appelait. Bref, j'ai oublié le nom. En fait, il m'a mis chez lui, il m'avait expliqué l'anecdote de son cousin qui était venu du Pays-Bas, qui dit qu'à l'époque, nos aïeux, quand ils ont vu venir les occidentaux venir de l'eau, ils sont qualifiés de Montundele. Montundele. Montundele en Congo, dans le Congo du Makela de Zombo, donc là-bas, au Congo Angola. Montundele, c'est-à-dire que Ndele, pour eux, ils avaient l'impression de voir des créatures qui sortaient de l'eau. Or, chez nous, au Congo, la peau, la pigmentation, nous avons aussi. Quand tu restes longtemps dans l'eau, cette pigmentation se décape. En se décapant, on se dit que l'eau est le territoire
du mauvais esprit, en quelque sorte. Les missiles. Décamp les Bouillères, Courbevoie, les missiles. La Défense. Et donc, d'ailleurs, parlons des Bissimbi, et donc, là-bas, c'est que papa, les nos aïeux, avaient dit que nous, on est donc de mauvais esprits. Et eux, dans leur côté impérial qu'ils avaient, leur aspect impérial, ils ont fait croire que non, modèle, non, on est vos modèles. Donc, ce qui est devenu après, Mondele. Hein, modèle, modèle, oh non, on est vos modèles. Donc, bref, donc, ils ont montré un peu ce modèle de développement, de construction, de bâtir. Enfin, bref, le qualificatif, ils sont venus après. J'avais un discours politique aujourd'hui. Mon discours politique ce matin était ce choc. Les amis, les anges, je l'ai posé sur le corps de Rappel qui est une fausse. Il dit quoi? Waïsa Mouta, Moussa Kiata, Kimbamou, Toussia Nama, Moussa Lueki, si toi pas qu'il est l'eau, Asimpangi, nous ici là. Zamunda, Moussa Lukiatata, Kimbangu, Moussa Nama, Moussa Reki, si toi pas qui laissez l'eau, Azimpangi, Moussi Zila, Salokande Kampasi, Moussa Lakio Moupasi, c'est Douena, Moulou. On est descendu ici pas sur terre pour faire le travail de Tata Kimbangu, donc le Saint-Esprit. Salokiane Kambasi, tout ça là qui a passé. Donc, sur cette œuvre, cette action, ce travail, cette activité dont nous aurons, elle est très difficile, mais nous aurons notre récompense. Nous supportons seulement, nous aurons la réponse. Voilà. Salokiane Kambasi, tout ça là qui a passé. Nous travaillons dans la difficulté, on a quelques péripéties. Des arbres, mais c'est pas grave, nous supportons. C'est de Wena, Moulumbu, Kiantsuka. Évidemment, nous y aurons rendu compte le dernier jour. Hein? C'est pas Simon qui m'a dit bien que quand on continue, quand on commence une œuvre, il faut la finir. Il faut jamais s'arrêter en cours de route. Parce que la récompense sera seulement le dernier jour. Hein? Parce qu'il y en a qui ont commencé, après sont arrêtés. Non! Salokiani, Jojo Fort, Jojo qui, tout le monde, parce que le monde est capable de monde. Salokiani, tout ça là qui a passé, tout ça là c'est Ndowena, Moulumbu, Kiansuka. Kupama kwa Gwenkundi, toi pas que c'est Ndo, Moumo, Komase, Dieto, Kimbamu. Ça c'est le discours politique de ce matin, 28 août, l'an 2018. Donc, on est venu sur terre pour accompagner Tata Kimbangu, tel que nous avons vu dans la vallée de Josaphat, des eaux qui étaient affaissées, qui avaient plus de capacité de travail. Mais lui, il est venu nous revigorer. 34 ans durant, s'il vous plaît. 24 heures sur 24, il n'a pas arrêté. Depuis le relais que sa mère lui donna, Papa Kiawanga, en 59, juste à sa transfiguration en 92, sans relâche, 24 heures sur 24, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, pour cela, je vais faire partager un message qui nous avait fait ressortir en l'an 1991 à Bruxelles, où il disait, mes amis, l'évangile, ne le prenez pas comme quelque chose d'importation. Nous devons l'appréhender comme notre document spécial. Hein? Voyez-vous, ici, l'évangile est notre, donc la bonne nouvelle. Et là, je voulais m'adresser à nos amis qui veulent le remettre en cause, la christianité ou le côté christique de notre institution. Mais on, le
Christ, il est apparu à Nazareth dans un premier temps. Nos amis occidentaux, mais ce sont nos enfants. Les mouilles, les mêmes de Wouta. Papa Simon Temba, à Madame Sanda, il était bien clair. Nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas le haïr, car le haïr serait contraire à l'évangile. Voilà. Quand il met en place l'amour, même il y a un lingaye, il faut que c'est son. Ce qui est il y a un gamoté, il y a un baka qui a été. Sachez, moi, je pense que c'est la limite que je parle souvent. Le chrétien d'un frère, d'un papa, à l'époque, qui était le témoin du vécu de la dislocation ici en Europe. Un jour, dans la maison familiale, ce frère-là apprend les mésaventures qui se vivaient ici dans au sein de l'institution, à l'église. Et ce jour-là, l'enfant, tout déçu qu'il était, désappointé de ce qui s'est passé au niveau de l'église, va pleurer devant papa qui se revient. Mais il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? T'as mon père, il y a des choses dans l'église, je ne sais pas toujours. Et le papa qui se revient le fera asseoir. Écoutez bien, s'il vous plaît, cet exemple-là, peut-être que ce bon Samuel le modèle. Papa qui se revient le met, soit dit, mon fils, assieds-toi. Ça, c'est les propos que je tiens lui-même, hein, celui qui a vécu l'expérience. C'est pour ce que j'appelle son, les apôtres de papa qui se loquait, parce que papa qui se loquait habitait dans leur maison quand il venait à Paris. Et le frère là me dira, mon fils, quand tu vois un humain, écoute bien ce que je veux dire, quand tu vois un humain, tu dois seulement prendre compte de ce qui est bien en cet humain-là. Parce que, donc là, c'est Dieu le Père qui parle, papa qui se loquait. Dieu a créé l'homme infiniment bon. D'accord? L'homme, Dieu a créé l'homme infiniment bon. Mais, donc, quand tu vois une créature, un humain, toi, fais seulement attention de ce qui est bien en cet humain-là. Ne fais pas attention à ce qui est mal. Et moi, quand j'ai appris cet exemple-là, quand j'ai appris cette information, je dis, ah, pourquoi Dieu le Père a dit cela? Mais oui! Vous savez que le Christ Jésus, papa Dialoumana, n'arrêtait pas de dire que Mi Kayi San Swangako. On n'entretient pas le mal. Le mal, nous devons le laisser là où il est. Nous devons tenir compte de ce qui est bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais fait une étude de cette pensée-là, de cette réflexion-là. Que papa qui se loquait le dira à cet enfant qui pleurait parce qu'il avait constaté à l'église, il y avait des mésaventures et des aventuriers qui se battaient dans l'institution alors que papa qui manque lui-même, il est non-violent. Il ne comprend pas comprendre que les gens dans l'institution puissent se donner des coups de poing ou des... Enfin bref, ça c'est le mal. Nous ne faisons pas attention à ça. Alors, moi, dans mon corps, j'ai tiré un corollaire de cette information, c'est que, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous, tel que Dieu nous a créés, Dieu a donné un don, une capacité d'action. Et cette capacité d'action, d'aucuns sont pas bien revigorés, ils sont pas bien disposés, et donc du coup, parfois, ils sont pas à même de supporter des méfaits ou des mésaventures. D'où le fait, allez messieurs, le fait que il y en a, puisque leur corps est poreux, quand je parle de poreux, je veux dire, ça veut dire que pas bien disposés, hein, à ne pas faire attention à ce que leur dicte Moutamoutoutébou, qu'on appelle Satan. Chacun de nous n'a pas le même scaphandre spirituel. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il dispose à chacun un don. Le don, quand je parle de don, donc le donner. Il donne à chacun, tout un chacun. Alors, donc, entre deux créatures, entre deux frangins, entre deux frères, entre deux papas ou deux mamans, entre deux, s'il y a, une incompréhension, c'est qu'il y en a un qui a laissé l'ouverture dans son corps. D'où, souvent je dis que nous devons faire usage du discours que notre premier inspiré officiel avait capté, à savoir Tata Yohan Moukoko. C'est quoi ce premier discours politique-là? Le discours politique que Papa Moukoko avait capté, qui dit quoi? Amake Samanungini, nous voit des noix ni nous. Kwa yisu nous sambulo wao. Nous voit des noix ni nous.
Que dit ce discours politique? Dans ce discours politique, il dit quoi? Amakesa Manungini, les vaillants soldats, vainqueurs. Nos voix ténoient, nous revêtons le scaphandre de combat. Et c'est quoi le scaphandre de combat? Moi, je l'ai reçu, mon trois principes, c'est le scaphandre de combat. Je suis un humain. C'est le beau mimi. Le beau mimi, c'est quoi? Beau comme Bolingo, mi comme Mibeko, mi comme Misala. C'est ça le scaphandre de combat. Kwai sou nous sambounoa, nous voix ténoignent nous. Et ça, c'est ça le scaphandre. Quand tu es disposé et généralement jusqu'à fond de là, moi je le qualifie comme étant pour nous qui sommes des ambassadeurs, Tata Gimbang en Occident ou à l'étranger, donc en outre-mer de l'Afrique, c'est, j'appelle ça comme étant l'immunité diplomatique. Ah ben oui, mes amis, ah oui, pour nous qui sommes en Occident, moi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Parce que pour votre information, moi j'ai vécu dans ce territoire entre l'an 2001 et 2011. Sont-ils de ce jour officiel? Eh oui! Mais, étant donné, étant ambassadeur Tatani Mangou, tu as gagné l'esprit de vérité, le seul esprit, moi j'avais mon immunité diplomatique. Et quand on appréhendait, j'expliquais aux Occidentaux qui sont nos enfants, mais on est venu pour vous! On est venu pour donner le message à Tatani Mangou. De la manière que vous êtes venu chez nous au Congo, à l'époque, qui vous avait réclamé un titre de ce jour? Votre côté impérial avait dissimé les populations. J'avais raconté une anecdote un jour à mon PIS 4 qui me suivait, parce que je lui dis que j'avais des PIS 4 hein, de 2001, tellement qu'ils me croyaient, qu'on me considérait comme un fou. Je disais, mais mon ami, vous me considérez comme un fou, vous voulez m'appréhender parce que j'ai pas tiré de ce jour. Vous qui êtes venu chez moi, vous avez détruit mon royaume, le côté là, qui vous avez de réclamer de ce jour? Vous avez créé des scandales sans précédent, du genre. Un ancêtre qui était enterré sous terre. Et vous, dans votre décision berlinique, donc la décision de Berlin, on pouvait diviser un ancêtre qui était sous sol. C'est-à-dire, vous avez fait vos frontières imaginaires, que vous avez décidé de vous-même sans notre présence. C'était scandaleux. Un ancêtre qui est enterré sous sol. Et on le divisait sous terre parce que la frontière passait au niveau de sa pierre tombale. Vous vous rendez compte? C'est des ignominies que vous avez mises en place. Mais bref, ça sonnait ainsi. Nous savons la raison, le pourquoi et le comment. 24 décembre 92, le péché a été expié. Papa Dialongan est le Christ. Habillé en Zengao, ou Zengan Kanou. Quand nous prions, Papa Zenga, oh non, mais oui, Papa Dialungana, c'est lui, le Nzengankanu. Hein, ce jour-là, c'est le seul qui était habillé. Normalement, nous autres, nous y avons ce qu'on appelle le Ngoto. Topakolaki Poutulu. On a reconnu notre mal. Et quand on dit que quand tu reconnais ton mal, eh bien, tu es pardonné. Il faut te avouer, c'est même pas à moitié, il est entièrement pardonné. Parce que l'expression occidentale dit que faut t'avouer à moitié pardonné. Non. Pour nous, Papa Dialungana, celui qui avait eu l'idée de créer l'humain, le sang et l'eau que nous portons, c'est lui qui l'a apporté dans l'organisme. Eh bien, c'est lui qui avait la responsabilité d'accueillir cette action, cette démarche physique. Bon. Donc c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, il s'est donné en pâture à Nazareth, en se donnant sur la croix, et bien de la même manière, il est revenu pour accepter le péché de celui qui manquait. Parce qu'en Nazareth, il avait dit, j'ai fait rentrer 99 brebis, mais il manquait un centième. Tadi de Vuezuka, le brebis perdu. Et voilà le jeu spirituel qu'il y a entre Christ et le Saint-Esprit. Il envoie, il dit que j'irai au Père, qui vous enverra le Consolateur, le Paraclet. Le Paraclet est venu, il a entrepris son action le 6 avril 2021, il a commencé. Et le relais final, pour redonner le relais encore de nouveau au Saint-Esprit, c'est Papa Dialunga, le Christ donc, qui reste, qui vient donc accomplir cet acte de pardon. Parce que notre ancêtre, Gakamuki, le jour quand tu commets leur forfait de devenir des sorciers, c'est-à-dire en se mangeant soi-même, ils ont consommé leur propre chair.
Du coup, j'ai eu l'occasion de vous expliquer cela. Ce qui s'était passé à l'Éden. Cette monticule du reste de l'Adam qui restait, c'est l'interdit. Papa dingue d'Adam. Ça, vous ne touchez pas. Parce que si vous le touchez, vous consommez vous-même. Donc, vous avez qui. Du coup, c'est une anecdote que Papa Dengenda explique. Papa Kuntima Dengenda dit un jour, son petit-fils, donc Muta Ishka, bien là où tu es, Papa Kinshasa, bien le bonjour à toi, et il posait la question à Papa, à son grand-père. Mais, Koko, yo, le bique, Adam, on a Eva Valia Gindoki. Parce que Papa Mibale. Mais parce que Valia Gindoki, Nini, parce que Gindoki, parce que Ndoki, Yumu Taliak Moussounia. Parce que Valia Gindoki, voilà, Valia qui. Cette monticule de sol, donc le reste de formation, parce que papa qui se loguait en tant que potier, quand il formait le corps humain, et bien ce reste-là, c'est ça que cette monticule-là, le nti, qu'on appelle arbre, d'où on est nti, c'est nti. Venez apprendre le mandombé, on va vous expliquer les choses. Le mandombé, c'est la science de Tatakimbong, nous expliquons le fait scientifiquement. Hein? Et vous savez que le parcours de Nongo Pelegete, continue, Papa Obeladio, s'est inspiré en prenant ce cantique-là de chant Congo là. Ngele, ngele, mundila Congo. Ngele, ngele, mundila Congo. Mundila Congo, ndo kote lubamba luame. Lubamba luame, vangi langa lembo biame. Et lembo biame, baki langa ngola zame. Et ngola zame, zisele, vana zanga. Et vana zanga, moneke ne nyoka moyo. Et nyoka moyo, yitele, mwana ndumba. Et mwana ndumba, kaidi, waitate, mune Congo. Waitate mune Congo, et mune Congo wakananga ngoma tano, et ngoma tano zisanga pakundungu, et pakundungu pelekete pakundungu. Vous savez que ce chant-là résume tout ce qui s'est passé au Jardin d'Eden? Vous le savez, vous? Venez apprendre le mandombé, vous allez apprendre. Papa Simon Guimond a précisé que l'homme segment de Dieu, Dieu homme, et c'est lui, papa, qui se logue le potier, quand il forme la structure terrestre, qui est donc l'homme, le mundu. Le reste de la boue qui s'amasse, qui forme ce qu'on appelle comme un sama, une monticule. Et c'est là où l'esprit, Mutamuntu, Shaitan, Satan, observait ces recommandations-là. Il est allé se réfugier là-dedans. Et cette monticule-là, c'est cet interdit qui donne le nti. Donc le nti. D'où le nom qu'il prend quand il revient sur terre pour corriger, aider ses enfants. Il s'appelle Kuntima. Kuntima Manti. Kuntima Manti. Mantima, c'est Manti. Manti. Nti, c'est quoi? C'est le Nzi. Et le Nzi, c'est quoi? C'est le terroir. Et le Nzi, c'est quoi? C'est l'Afrique. Le berceau de l'humanité. D'où le 3 février 1989, la carte de l'Afrique est apparue là où il est né. En Kamba. Et c'est là où fut créé aussi le premier humain. Le Muntu Kakambuki, qui avait le devoir de sonner l'humanité. Vous voyez le rapprochement? Moi, je l'appelle Kuntima parce qu'il s'est donné 34 ans, 24 sur 24, pour ramener cette monticule qui est donc, dans un premier temps, le Congo, évidemment donc l'Afrique. Parce que le premier humain fut créé là où il est venu sur Terre, où il est revenu sur Terre. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous me suivez. Le rapprochement de Manti et le Ntimanti, le Congo, cette monticule terrestre de la création. Tata Kuntima Dianyenda. Quand j'ai réalisé le nouveau par rapport à l'annonce du site de l'étoile, ils nous ont dit ce qu'on dit à son ami Tata Kumpenda, que moi Kimbangu, je venais d'être de nouveau maison 18. Vous savez ce que c'est que 18? C'est vrai que le 22 mars, vous savez pourquoi à l'international, ils ont dédié cette journée-là à l'eau? La journée internationale de l'eau, le 22 mars. Le pacificateur qui était né, qui est revenu sur Terre. Papa Kuntima Dengenda. Manti, Dengenda Kuntima, Manti, Kuntima Dengenda, Diamou de Dieu. Le siège de toutes les pensées. Sa divinité aujourd'hui, Tata Kimbangu Kyang. Si c'est pas clair, vous pouvez poser des questions ultérieurement, je vais vous presser cela. Ça, c'est de la science, ça. C'est de la mathématique scientifique, c'est de la science. Zaï. C'est la science, donc la connaissance, le savoir. Tata Kimbangu. Et cela grâce à Pakunungu et Pelegete.
Tata de Ndamboula. Il est qui comme. Il n'a pas me coutu yengoloko. Moi n'avais l'île où tiens. Oui, ça y a onze. Ya tamboula munza ya ya. Ya na te. Lindo kia tu. Eh, y'a une sabise de quoi c'est une aboussite. Inti yansi lulu ya utu kila ntumwa. Inti yansi lulu Et voilà où était Didier. Donc la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'ongle. Kanandombe. Katekimbang Kangani Tukutondele. Voilà, il a pensé à nous. Réjouis-toi, réjouis-toi. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Donc Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Qui aurait pensé, qui aurait cru que nous en Afrique, on aurait ce qu'on a aujourd'hui. Qu'allait naître un esprit de vérité. La pierre rejetée qui est devenue la principale de l'ongle. Remercions le Christ Jésus, papa Dialungana, le fait de se donner en pâture. Hein? Et quand il est parti, il a demandé un consolateur. Il est venu en Afrique. Et il est venu avec les trois glorieux. Il a laissé les trois glorieux qui nous ont éclairés. Donc, papa Gisolokele, papa Dialungana, papa Dialungana Vuntima. Hein? Rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il est venu mourir pour nous sur la croix. Mais avant de repartir, il avait demandé le consolateur qui est venu sur terre, ici en Afrique. Avant de se transfigurer, il a laissé les trois glorieux. Et c'est surtout qui nous a éclairé la lanterne concernant comment vivre sur terre. Donc, bowling un peu comme ça là. Hein? Afrika Wurunge Ukembe là. Qui aurait cru, qui aurait pensé que toi en Afrique, tu allais voir ce que tu es devenu? Hein? Qu'allait naître un sauveur. La pierre rejetée, qui est devenu le principal de l'angle. Et cette principale là qu'on construit avec la maison avec. Donc l'Afrique, le Basu-Basu-Non, le Congo, le Nkamba, le Ntimanti. Rendons grâce à ces divinités, Tata Kimongo Kiangani. Voilà, ça c'est nous les guitaristes, Jeja. Hein? Bah c'est plus dans un but. Nulle part ailleurs, c'est le seul groupe. Hein? C'est le meilleur groupe du monde. Hein? C'est le même groupe, meilleur groupe au monde entier, Jeje Ki. Parce que nous avons tout le monde à l'intérieur. Dans notre groupe, il y a la Faki, il y a les Futis, il y a les Sedeki, donc la croix des gens qui m'engueulent, le côté vocal évidemment. Parce que nous mélangeons tout, il y a le vocal.
Voilà, ça c'est le Jéja, le Mbanzaki Mango, ex-Brazzaville. Nous demandons Dieu de nous garder, de nous préserver, car il va se passer un scandale. Voilà, là c'est lui, Dieu le Père, là, papa qui se loguille. Écoutez bien. Ha ha. Il est coé, 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 coé,
Banani sato, batanzambe kolo yesu yusambe. Papa dima, okiangani. La Trinité, trois en un, hein, pour confondre Shétan, parce qu'il s'était positionné. Ils sont mis en trois pour confondre Shétan, le positionnement. Ngabe na zamu konzi, au mon sous-chef. Depuis quand? Il est unique. Il est Almighty God. Voilà. Papa qui se regarde le kilo. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, parce que c'est l'unicité. Papa qui se loquait, les papa d'Yangen dans le Père Esprit Saint et le Saint-Esprit. Allez-y comprendre. Voilà mes amis, vous me suivez, donc Papa Sredik Nsoki, bonjour à vous Papa, Maman la Baronne Deda Yefa, donc from London, you give you a greeting from Paris, so in the one, Ingeta Med, bonjour à vous là-bas, Katandoi, Simon, Loaloa, bien des bonjours, Joey Joffer, le grand guitariste, Kalaming était plus vert Papa, Rodzila Mukulango, bien des choses à toi là-bas, Siasia Kiawankana, le nouveau marié, Papa, Pesa Maman Olga Kunambote, bien des bonnes choses à vous là-bas. Évidemment, Moutamundu Kangani Givenchy qui est toujours à notre attention. Merci, bien des choses à vous là-bas, papa. Voilà. Hein? Et les autres qui se disent qui ne se suffit pas, bien des bonnes choses. Aujourd'hui, on a un jour spécial, c'est la journée de fête des jeunes, le mardi, où papa, c'est moi qui manque, donne un enseignement approprié pour pouvoir bien nous conduire sur terre. Suivant. Saye, Konyo Zolaye, Elombe, Alongi Mokili. Les gens ont mal compris. Ils ont dit à papa qui se loquait. Ah, te dénigrer. Oh, te bousser Bolumbu. Non! Il est bien Dieu le Père. Son action sur terre, c'était pour accompagner son père, Tata Kimbangu, son père, Tata Kuntima, Diangida, son père, Tata Kimbangu, Kiangani. C'est là, il est là, c'est son action administrative, c'est le côté accompagnateur pour l'épauler. Hein? Papa qui sont loquelé, voilà! Il a manifesté, c'est pas dans les mayons, s'il vous plaît. Ce ne sont pas source de Mabakou. Non. C'était l'ami d'Abraham. Le père Abraham, dans son foyer conjugal. Il a montré ça pour mon modèle. Il est bien Dieu le Père, le Almati, le Yahweh, papa qui se dit le hein? Nous sommes là, on l'a vu. Il nous a visité. Mais quand tu m'as visité, quand je l'avais vu pour la première fois, on en honte deux. Je pensais l'avoir vu physiquement. Mais en fait, j'avais vu Moutamoutou, le Seigneur, investi pour rétablir l'ordre spirituel. Quand tu me posais les mains, on en honte deux, s'il vous plaît, à la veille du baccalauréat. J'étais à laisser Victor Gagneur à Pointe-Noire. Il est passé en baccalauréat, un ami m'invite. Je vais aller prier chez les Guimbanguistes. Un soir, j'allais à la parole de Mbaka. On s'en accueille là-bas à Pointe-Noire. Je m'agenoue. Pour moi, j'avais vu papa qui se loquait, qui m'avait imposé les mains. Mais finalement, c'est mon ami, quand je suis devenu Kimbanguiste ici, non, sympathisant à l'époque, en 2000, lors de 10 ans, on était allé à Bruxelles, j'ai chanté au sein de la chorale Papa qui se loquait, Papa qui se loquait là. On m'a dit, mais monsieur là, il m'avait posé les mains en 92, au mois de mai, à la fête du baccalauréat.
Là, j'apprends qu'il s'est rejoint en mars. C'était qui? Et finalement, j'étais content d'appeler mon ami qui m'avait invité. Bout à bout, mon ami, Dieudonné. Je pose la question, mais Dinos, toi, tu m'avais invité chez un soir chez vous là-bas, chez les Dimonguis à l'époque. Mais c'est qui m'avait imposé les mains? Dis non, mais c'était pour pas Silos. Oh! Bout à bout, tout. Il m'a montré son visage du père. Or, c'est lui le Saint-Esprit. Il m'a imposé les mains. Ce que je crois, j'ai toujours dit, il m'avait donné le baptême par l'imposition des mains. C'était en 92, s'il vous plaît. Et l'acte s'est fait 10 ans après, en 2002, pour que le soir avec la semaine se fasse. C'était le process, la procédure, étape par étape, tous les 10 ans. Arrivé sur Terre en 72, 10 ans après, en 82, je vais au Vatican. 92, 10 ans après, il me pose les mains, lui-même, le Almighty, Tata Kimongo Kiangani. Et 10 ans après, le 22 juin, au sein de la paroisse Kimongis de Bilombe, Tata Kimongo Kiangani, il m'a imposé les mains. Je suis devenu Kimongis, c'était un geste, mais lui, il m'avait dit imposer les mains depuis 92. Donc, je ne suis pas surpris que je sois d'accord, moi, tel que je suis. Parce que, quand je me visite en 99, il me confie la charge. Ma mission, je la sais. Je suis comme cela. Mais attention, comme il commence à naître, c'est lui qui décide. Depuis le Kamba, nous sommes des exécutifs. On exécute seulement. Je suis Madjoumou, donc messager africain, divinement zélé, s'il vous plaît. J'ai le zèle de parler de Tata Kimongo Kiangani. Et suivez encore ce témoignage, s'il vous plaît. C'est important. On doit éclairer l'antenne. Voilà, suivons. C'est important parce que les gens sont dans l'incompréhension. Et ça, c'est la voie autorisée. Suivons. Bonjour Mehmet. Tout à fait normal.
babotami mama moko me tata moko te nazale ki na bango talandi talandi o papa ko yiko penga na yete batolerati jusqu'à un certain jour na lobaka la fois passé na interview et que par malheur na kenkamba na ina zonga amati na camion c'est le jour que papa l'a chassé à Gombe pour dire que l'ongoza tatanangana da tatanayote a bengana kaye. Donc na mukuse Paul azali biologiquement mwana ya papa kurutute. Merci mingi bandeko balandi na banza o eza radio te ezali télévision tozomona général en personne a witi ko nianola ndenge ezaleli na famille na banza toyoki na banza batu ya Luanda balongoli bino deja bande noire na misu boyeba mwana ya bapapa ya solo et puis il faut nuancer na désordre deja kuyawa bapapa batika ki désordre na famille te tozali na catégorie misat bano babotami na mariage na kati na famille na maimatali makambo na nzambe babengi les enfants légitimes ne bango baza na privilège tout droit ya ko succéder spirituellement na makambo ya batata bano babotami na or mariage bazali bandeko na biso mais bazali na droit spirituel te peut pas succéder oyo apokwa mi lokola mutu nyonso ayaka na famille babokolie un enfant adoptif lokola Paul il n'a pas droit donc azali lokola bana nyonso batu nyonso babokwamaka na kati na famille et na Angola boyebi différence wana te c'est comme ça bolole koyelaka bino. Donc, bocha lisusu bolole wana te, c'est-à-dire bosa la kasusu ba erreur wana te. Po mbala mususu, bakoya kokosa lisusu bino, et kukute lisusu bino cher. Parce que bozonga susu, na oba bengaka esclavagisme spirituel. Boutiki nkamba, boutiki mukonzi, oyo ba papa batie, et ben boubadi kolanda be, batu na liru batata Simoni Kimbangu. C'est une grosse erreur. Donc, j'espère que tu kanisi ki na mbaloyo mokili na Angola ekokota lisusu na barere ya boepepe baya kokosaka bino ezopesa biso mawa mingi parce que baye kokosa bino biso tokokolinga te nimporte ki ayawa na mosala oyo batata bayokeli mpasi keliki aya a buya nauti nkamba nauti Kinshasa nazali fe spirituel nazali boye na non kamata telefone benga na nkamba tomoni mutu moko ayawa yazo sala boye ye nani je spirituel akopesa lumière omoni 2 ans bakosi bino général. L'autre fois, le 12 octobre, nous avons été en Kamba, nous avons été provoqués. Voilà, mes amis, donc un petit complément d'information, parce que on est étonné, le papa qui se loquait tout à l'heure, le papa qui se loquait est lombé. Je vous ai toujours dit que le mystère d'Abraham, dans son foyer conjugal, s'est reproduit. Manamate kakala, makala diaka. Papa qui se loquait est Dieu le Père. Il est l'ami d'Abraham. Et l'Abraham, c'est notre père dans la foi. Nous qui croyons en un Dieu unique, mais qui s'est réparti en 3 positionnements pour confondre Satan. Parce qu'il savait les intentions de Satan, que ce jour, cette créature-là va se positionner. Qu'un jour, il va pouvoir se dire que moi aussi, je suis placé, j'ai telle position dans cette disposition. Non! Et donc, ils sont éclatés en 3. Et finalement, ce positionnement-là l'avait déplumé, l'avait fait chuter. Et donc, ce qui s'est passé dans les cieux s'est reproduit en 2001, en août.
Vita ya kalamuzulu. Ce qui est dans les cieux, l'incompréhension dans les cieux. Ikolomo kene vanza. Ça s'est encore reproduit sur terre. Vous me choisissez, ne soyez pas surpris. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez-moi bien. Nzonza yempaka. L'incompréhension dans les cieux s'est reproduit concernant l'église. Parce qu'ils sont battus pour le pouvoir. Le pouvoir, la capacité d'action. Mais avec quelle capacité d'action? On dit bien, Abraham, les femmes, c'est toujours elles à l'époque, toutes les femmes nées avant Mamouilou. Elles n'étaient pas bien disposées spirituellement. Et c'est Mamouilou qui nous a rendu vainqueur à partir de l'étoile qui est descendue de Nkamba, qui a pris le relais ministériel quand son mari est arrêté. C'est elle qui prend le relais. Donc, à partir d'elle, qui vous avez sauvé? Les femmes, vous avez votre place dorénavant. La femme de référence. Le mari, elle est avec nous en France. Elle est d'ailleurs modèle dans sa patience. Voyez-vous? Et donc, dans la brame, maman Sarah, impatiente qu'elle est par rapport à la promesse divine, il dit, mais il y avait un vide qui était là. Il profite de ce vide-là. Satan entre à travers les propos de maman Sarah qui dénigre la promesse divine. Il dit, bon, Agar, tu peux te mélanger avec mon mari. Vous savez les conséquences de cette naissance qui est venue après. Agarienne. Donc, papa dit qu'il se loquait le fait de déclarer son père, qui vient l'accompagner, qui l'accompagne. Ntoto, Kiaku, Diengenda. Ntoto, Diengenda, Kiaku. Cette terre-là, je suis venu sur terre, moi, Dieu donné. Ce que Dieu a donné. Je t'accompagne. Kiaku. Et ça mettait les droits. Dans mon cœur. Mais l'autre qui vient là, mais c'est l'intrus. L'intrusion malvenue. Tata Nwengisi, Loukoufi, était clair tout à l'heure, vous avez suivi. C'est un intrus. Et vous savez comment les jésuites l'ont ciblé? De la même manière qu'ils ont ciblé le papa qui se loquait à l'époque, ils ont ciblé. Papa Dengen a dit à Nyangara que, ah, qui tient nani? Qui tient nani? T'es pour la Zali Mouan Nangai. Mbala Moussou n'a tiré en Italie. Suivez bien, papa Kuntima Dengen a dit que si j'envoie en Italie, vous savez ce que l'Italie? Mais l'Italie, ce sont les mêmes là qui ont mis en place cette institution spirituelle pour tout le monde, comme dit Catholicos. Mais en réalité, ça, ils travaillent pour le Christ Jésus. Ils ont leur cachet derrière, ils ont leur pratique derrière qui cache. Moi, je suis resté 30 ans là-bas, 30 ans s'il vous plaît, de vécu vaticanesque. Ils n'ont pas de secret pour moi. J'étais Monseigneur, MGR de Gaudi. C'est comme ça qu'on m'appelle à l'époque. MGR de Gaudi. C'est pas Simon qui m'en coach, m'apparaît. Il me montre toute ma vie antérieure. Comment mon corps était utilisé. N'est-ce pas? Mon don. C'est pas Simon qui m'a donné depuis les cieux. Je l'ai avec sous terre. Je suis revenu avec sous terre. Parce que j'étais déjà. Moi, je connais mon personnage biblique. Qui était dans l'Ancien Testament, dans le premier livre. Et donc, ici. Donc, la naissance agarienne et la naissance saraïque. À partir de Maman Teke, Marianne, c'est la naissance saraïque, Sarah. Et c'est celle qui est dans la promesse. Mais la naissance agarienne, non! Ils peuvent travailler, mais pas dans l'action, s'il vous plaît, dans la disposition spirituelle. Tu vois qu'il est belliqueux. C'est lui le corruptible. Comme à l'époque, pour faire la comparaison. Parce qu'il faut parler des choses anciennes avant de parler des choses nouvelles. Ici en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'on appelle les Illuminati? Leur origine? Leur origine, c'est parti de la Bavière. Un système qu'on appelle Adam Verschwucht. Je ne sais pas si vous connaissez. Adam Verschwucht. Quand vous voyez le portrait du dollar, c'est pas le document ici. On dit que c'est George Washington. Non, c'est pas George Washington. C'est Adam Verschwucht en fait. C'est lui qui en place les Rothschild, la famille Rothschild, l'enfant rouge, qui ont corrompu tous les rois d'Europe. Je vous dis dernièrement qu'en Europe, Ezaka Makilamoko, c'est la même lignée consanguine en quelque sorte. Les barons, les bourbiers, les bouviers, les barons, le terme m'échappe. C'est tous les mêmes. Mais ils étaient corrompus par les systèmes monétaires. Mbongo Zambi, Nsalulu Ambi. L'argent, argent, art, artisan, Jean, les ions. Donc l'argent, c'est un salaire à tout. Quand passe moi qui dit, mon nanga se bat au bangai, mon coli, oezali, boko monango. Mais l'argent, c'est là. D'où on est de l'argent, t'as dit, mon.
Et c'est pourquoi il veut que moi, il veut pas de l'argent des francs-maçons, des rosoukois. Oh voilà, on fait des dons. Oh, il y a même des qui mangouistes qui pensent que ah, mais papa, il y a des gens qui mangent. Mais non! Il y a des gens qui mangent Pilipiliwana, notre sueur, qui a fouta. La sueur, c'est qui a fouta, ce dont tu vas payer. On est descendu avec lui sur terre pour l'accompagner. Donc il veut seulement notre petit smig là, notre 10 dollars là, notre 20 euros là. C'est ça qu'il veut lui. Mais pas l'argent des Zimlati, les Rothschild. Les Rockefeller, comme qui dirait. Les gens de l'éloge, les francs-maçons. Vous savez comment font les gens, font les éloges des francs-maçons. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, c'est la dignité. Une feuille, je vous donne la feuille. Tenez. Prenez notre référence. Voilà. Yokela biso mawa tata papa Simon qui mangou kiangani, il veut que nous construisions Kamba. Dernier, vous avez suivi le dimanche dernier. Il dit, les gens sont venus proposer, oh, on va vous aider pour construire votre musée et tout ça. Vous voulez que Martin Bouygues aille commettre ses pylônes là-bas pour construire le musée? Vous savez les conséquences? Hein? Vous savez que l'énergie que nous sortons là, l'argent là, quand tu travailles, qui peut évaluer l'énergie de quelqu'un? On ne peut pas l'évaluer. Quand vous payez l'argent qu'on donne le SMIC, c'est du arbitraire. Mais on sort pas le même effort. Donc quand on donne, on appelle un minimum salarial, ce qu'on appelle le SMIG, c'est de l'arbitraire. Voyez-vous? C'est pourquoi on dit pourquoi les cadres n'ont pas de timing, hein, au niveau de leur travail. Mais nous autres là qui sommes en bas, là-bas de l'échelle, malgré mon bac plus 4, en management, gestion d'entreprise. Parce que j'ai un directeur génie industriel. J'ai l'obtenition en Occident. Mais quelle occupation ai-je? C'est la promesse divine. Nous ne nous plaignons pas pour ça. Parce que nous savons que notre jour viendra. On aura notre système monétaire à nous. Mongozamono kimbangu tangu ifwene eh basiza di uka enza yamvimba ya bakalufum. Mon argent moi kimbangu, c'est l'argent de kimbangu qui va pacifier. Ici, je vais vous expliquer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Donc quand vous payez, quand vous avez un salaire, est-ce que vous voyez vous touchez les, par exemple, on donne 1200 euros. Est-ce que vous les touchez en main? Ça passe dans les comptes. Et cet argent là, les banques, ils font quoi avec? C'est avec ça qu'ils redistribuent à travers les entreprises. N'est-ce pas? Les financements. Quand quelqu'un voit un compte à la banque, voilà. Mais c'est un argent toi qui utilise pour aller faire des prêts et consorts. Et ça qui se multiplie. Toi, c'est mental, c'est pas seulement mentalement. Hein, que l'on a compte dans un gars, ah, il a fait la carte bleue, il a deux chiffres, quatre chiffres, on a monné, ah, dans un 2000 euros. Ah, il y a combien de négatifs? Ah, il y a combien de découvert? Mon tout est bon, ça l'a bien été. C'est psychologique, c'est mental, donc c'est spirituel. D'où nous, qui sommes en Tata Kimbangu, confiance, Nkamba Yelou Selemi. Confiance, Mbanza Velela. Confiance, sa divinité Tata Kimbangu Kenga. Donc, construisons Kamba. Moi, j'avais fait un rêve avant que je reparte à l'Afrique, 19 ans après. Après mes 19 ans restés en Europe, sans porter moi à l'Afrique. J'ai fait un rêve. Papa Diangenda Joseph Kiangani. Donc, on dit, j'ai moi le Rigen, Pleso. Je le vois dans le songe. Il me prend. Il me montre une Kamba construit comme une cité bien développée, avec des centres commerciaux, bref, tout moderne quoi. Il me dit, il me met, je ne sais pas, Simon. Prends Fumo Long, Simon Kimon Kang. Arrivé dans la maison familiale de Tata Simon Kimon Kang, il me met sur le canapé. Je ne vois pas sa divinité qui sort. Tata Fumo Long, Simon Kimon Kang. Il prend mon porte-monnaie, il met de l'argent à l'intérieur. Je réveille, le matin, la préfecture m'appelle. Oh, monsieur Mazumu, on vous a reconnu pour notre titre de séjour. Diakongo, comme ça demande. C'était en 2012. 10 ans après, évidemment, je suis reparti en Afrique. A bientôt. J'ai sa divinité, Tata Simon Kimon Kang. Fokole.